Ok les gars, écoutez ça. L'une des plus grandes surprises de Savage Mode 2 de 21 Savage et Metro Boomin a été l'implication de Morgan Freeman. Bien que figurant dans la bande-annonce, les fans ne savaient pas que l'acteur vétéran serait partout sur l'album, apparaissant dans l'intro, l'interlude et à la fin des autres chansons. Dans une interview de GQ publiée mardi 6 octobre, Freeman a expliqué pourquoi il a décidé de sortir de sa zone de confort pour entrer dans le monde du hip-hop. Il a joué tout le monde, de Dieu dans Bruce Tout-Puissant à un magicien dans la grande aventure Lego. Mais il ne pouvait pas refuser la chance de jouer quelqu'un qui n'était pas un gentil garçon. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en quelque sorte bloqué dans un rôle, a-t-il dit. Henry Fonda l'a fait, Spencer Tracy l'a fait, James Stewart l'a fait, même s'il a joué quelques méchants. On n'a pas vraiment envie de rester dans un moule, mais après quelques années, cela ne peut qu'arriver. Chaque offre qui est en dehors de ce que vous considérez comme votre moule est amusante à faire. Je dois sauter sur l'occasion. Freeman a été impressionné par le scénario et estime que le message est une bonne chose dont les jeunes peuvent s'inspirer. J'ai lu la copie et j'ai été impressionné. Il y a de la sagesse là-dedans, a-t-il rappelé. Je pense que c'est comme ça que je pense. En bref, il faut éviter de souffrir inutilement et quand on veut quelque chose, il faut le faire, dit-il en ajoutant que si la musique de Savage est une affaire de jeunes, alors c'est une chose dont ils doivent être conscients. C'est donc une bonne chose à faire. Freeman a peut-être 83 ans, mais il est toujours en phase avec la jeunesse. Il évoque un film classique de 94 lorsqu'on lui demande quelle est la source probable de son travail et reconnaît la façon dont il est présenté aux gens. C'est les évadés, a-t-il dit. Ou alors, beaucoup de gens appellent ma voix la voix de Dieu. L'apparition improbable de Freeman dans le Savage Mode 2 a inspiré d'innombrables mèmes sur les médias sociaux, y compris les personnes qui ont édité le tatouage de couteau de 21 sur le front. La narration de Freeman est la première voix entendue sur l'album, alors qu'il plante le décor sur Intro. De grands hommes avec de grands idéaux peuvent être séparés par des centaines voire des milliers de kilomètres et se trouver toujours au même endroit. Ils peuvent avoir des années voire des générations d'âge différentes et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils se trouvent exactement sur la même longueur d'onde. Savage Mode 2 inclut Drake, Young Thug, Young Nudy et devrait être numéro 1 du Billboard 200 avec environ 170 000, 195 000 unités équivalentes à un album selon Hits Daily YouTube. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour rester à jour sur toutes nos nouvelles vidéos. Et comme toujours, assurez-vous de mettre en favori hiphopdx.com.